Bonjour. Aujourd'hui, on a la leçon de la production écrite de la langue française. Qui concerne l'unité didactique numéro 5 de la semaine numéro 2. Notre objectif, c'est de produire à l'aide d'éléments donnés un texte court de 2 à 3 phrases en répondant à des consignes claires. Alors, on commence par la première question. Alors, regardez bien. Je complète avec sous, vers, dans, sur. Les phrases suivantes. Regardez bien la première phrase. La bouteille d'eau est pointillée la table. Deuxième phrase. Les animaux vont pointiller les cours d'eau. Troisième phrase. Les nuages se forment pointillés le ciel. Quatrième phrase. La glace fond pointillée l'effet de la chaleur. Alors, prenez un moment pour réfléchir et essayez de donner votre réponse. Alors, la réponse est le suivant et la suivante. C'est très bien. Alors, Julie, la bouteille d'eau est sur la table. Ces animaux vont vers les cours d'eau. Les nuages se forment dans le ciel. La glace fond sous l'effet de la chaleur. On passe à l'activité suivante, regardez bien, j'informe sur le cycle de l'eau en 2 phrases. Observez bien l'image, c'est la mer, l'évaporation, les nuages, la pluie, la montagne, la neige. Alors, essayez de deviner et essayez de donner 2 phrases qui correspond à l'image qui est devant vous. Vous êtes prêts? D'accord. Alors, pour la première phrase, l'eau de mer chauffée s'évapore dans le ciel. Pour la deuxième phrase, l'air chaud et humide s'élève, se refroidit et donne la pluie. Passons à la troisième exercice et activité. Alors, soyez prêts. Pour notre consigne, je lis les phrases et je dis ce qui est vrai ou faux. Les nuages sont blancs. La pluie tombe du ciel. Le soleil brille la nuit. L'eau, c'est la vie. Alors, la première phrase, notre réponse, c'est vrai. La deuxième phrase, notre réponse, c'est vrai. La troisième phrase, la réponse, c'est faux. Quatrième phrase, la réponse, c'est vrai. Passons à la dernière activité. Je réponds aux questions pour informer sur l'eau. J'utilise les mots la mer, les rivières, dans la montagne. Ah, pour vous aider un petit peu, on pose la question suivante. Où va l'eau de la pluie? Où peut-on voir de la neige?
Alors, essayez de donner votre réponse. Alors, où va l'eau de pluie? L'eau de pluie va dans les rivières et dans la mer. Où peut-on voir de la neige? On peut voir la neige sur la montagne. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.